C'est quoi la mission de vie? Ça sert à quoi ça? Moi, je dis, quand j'étais à l'école, je voyais une fille qui est belle et qui est première de classe. Je dis, ah, c'est beau quand même. Comment tu as fait pour bâtir ton réseau? Comment est-ce que le don, toi, te permet de connecter avec les gens? La spiritualité commence lorsqu'on apprend à connecter avec l'invisible. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour Pascaline. Bonjour Valère. Comment tu vas? Je vais très bien, très très bien. Merci pour l'invitation. Super, non, c'est moi qui te remercie pour le temps que tu as décidé de nous accorder. Oui. Je te préviens tout de suite, on va parler à bâton rompu de Pascaline. On va aller dans son intimité, on va aller chercher la petite bête parce qu'il y a beaucoup de choses dont elle ne nous parle pas sur les réseaux sociaux, à la télé et aussi dans son livre. Parce qu'elle dit des choses dans son livre, mais elle n'est pas prête pour ce qui va se passer tout de suite. Avant d'aller plus loin, Pascaline. Oui. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Alors, je suis Pascaline Kamokoui. Je suis executive coach certifié HEC Paris. Je suis coach en programmation neurolinguistique, plus communément connu sous le nom de PNL. C'est en fait, je veux dire, c'est un coaching qui permet aux gens de déconstruire ce en quoi ils ont toujours cru, de vrai ou de pas vrai, et de reconstruire en tenant compte de leur réalité actuelle. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est bon avec qui je suis aujourd'hui ou pas? Donc, c'est un peu ça, la PNL. Mais est-ce que c'est pas du charlatanisme? Parce qu'on a maintenant aujourd'hui des coachs en nourriture, coachs en manger, coachs en perte de poids. Et maintenant, tu dis coach en PNL. Est-ce que c'est pas du charlatanisme, tout ça? Bon, ça dépend de chacun. Déjà, c'est comme si on parle de la religion, par exemple. On pourrait dire la même chose. Tout ce qui est spirituel, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Donc maintenant, moi, personnellement, je me dis, quelqu'un qui ne se pose pas la question de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il inspire, quelle est sa mission de vie, c'est quelqu'un qui passe à côté des choses importantes. C'est quelqu'un qui est dans le faire, il fait les choses, il ne prend pas le temps d'être lui, d'être dans l'être, comme on dit. Et quelles que soient nos orientations spirituelles, ou qu'on prenne un charlatanisme ou quoi que ce soit, ça je respecte, hein. Je suis pas là pour me défendre, je suis là pour dire qu'on y croit ou pas, c'est un fait. Le fait de s'interroger sur notre vie, sur ce qui nous entoure, c'est un fait. Et les événements de la vie, les événements récents du Covid et tout ça, fait que, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on a été obligé à arrêter un peu notre vie de tous les jours et se poser des questions. Donc, si continuer à se poser des questions malgré le fait que cette crise semble être derrière nous peut être considéré comme le fait d'être des charlatans, ben je veux bien être une charlatante. Ok, on va dire ok avec ça, c'est parfait. Ok avec ça. Et justement, tu as parlé de mission de vie. Oui. C'est quoi la mission de vie? Ça sert à quoi ça? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs missions de vie. Parce que parfois, on met des grandes phrases autour de la mission de vie. On se dit, voilà, quand on parle de mission de vie, les gens s'attendent souvent à quelque chose de tellement grandiose. Pourtant, c'est parfois des petites choses. Et ça évolue. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, pour toi, je ne sais pas si je peux te tutoyer ou pas, vous voyez. Peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, ta mission de vie, c'est tu vibres le livre, tu vibres le fait de vouloir mettre les autres en avant. Tu vibres ça, c'est ta mission actuelle. Mais ce n'est pas ta seule mission de vie. Tu as la mission, c'est quelles sont les choses que je veux accomplir dans ma vie et qui, en fait, vibrent tellement fort en moi que lorsque je m'en éloigne, je suis triste. Si je dois le dire comme ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui, par exemple, sa mission de vie, c'est la transmission. Mais dans la transmission, il peut transmettre par des livres, par des vidéos, par des conférences, par des formations. Voilà. C'est ça, en fait, la mission de vie. Et les gens confondent parfois la mission de vie à un métier. Oui. Ma mission de vie, c'est être banquier. Ma mission de vie, c'est être avocat. Ma mission, c'est pas ça, en fait. C'est qu'est-ce que tu fais de bien qui peut être monétisable, que tu peux mettre au service de l'autre. Et ça fait un peu appel au truc qu'on appelle le l'ikigai. L'ikigai. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu là-dessus? Oui, oui, l'ikigai. D'ailleurs, j'en parle dans mon jeu de cartes Les Glades. Hein. J'ai fait un jeu de cartes de développement personnel inspiré de la PNL qui s'appelle Les Glades,
qui permettent aux gens de s'auto-coacher, de coacher l'autre. Donc, j'ai fait une version tout public, professionnelle aussi. Et dedans, et en fait, il y a une carte qui explique l'ikigai, qui vraiment, l'ikigai, on a quatre cercles qui permettent en fait de savoir ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi les autres sont prêts à payer, en fait. C'est vraiment un ensemble de quatre. Une intersection, ok. Attendez, je dois avoir un truc. Voilà. Est-ce qu'on peut arriver à zoomer une de cette carte-là, par exemple? Vous voyez, par exemple, la mission est au cœur. Ça veut dire qu'ici, on va ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé, ce pourquoi je suis doué. Et là, ça fait appel à notre passion, à notre mission, à notre vocation, à notre profession. Donc vraiment, c'est quand on arrive à regrouper ces quatre points qu'on détermine en fait quelle est notre mission. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas, par exemple, le fait de se dire « je suis doué à coiffer », par exemple. Ça ne veut pas dire que ma mission de vie, c'est être coiffeuse. Vous voyez un peu la nuance ou pas? Oui, bien sûr. Ma mission de vie, c'est rendre l'autre belle. Et donc, au lieu de se limiter uniquement à la coiffure, c'est dit, mais dans ce processus de rendre cette personne belle, encore plus gagner en confiance parce que je la coiffe bien, est-ce qu'il n'y a pas des produits que je peux créer derrière pour encore rendre les cheveux encore plus soyeux? Donc, c'est ne pas se dire qu'une mission de vie, c'est un métier. Non, c'est ce pourquoi je suis doué. Voilà, c'est au-delà de ça. Et comment est-ce que tu prends conscience du fait qu'il faut se poser les questions autour de sa mission de vie et de ce pourquoi on existe? Comment est-ce que tu prends conscience de ça? Je prends conscience de ça parce que je réalise qu'à un moment donné, ma vie ne me nourrit plus, en fait. C'est-à-dire que je vis des moments très durs dans ma vie, énormément de souffrances, où je suis en dépression, je plonge dans l'alcool, je vis des choses très, très dures. Et je suis en perte de sens. Je suis en perte de sens. J'en parle dans mon livre, où je me retrouve à un moment donné où je me demande, donc c'est ça la vie, en fait. La vie, c'est souffrir. C'est être gentil, mais recevoir de la méchanceté en retour. Donner, mais recevoir plutôt l'autre côté du râteau. Enfin, et lors d'une conversation avec une amie, ici, elle s'appelle Marie, elle me dit, je vais te conseiller un livre. Elle m'a conseillé Miracle Morning. Après, dans l'échange, j'ai aussi un autre livre, La Fabrique du Miracle, et les quatre accords Toltec. Elle me dit, ça t'aidera peut-être à te poser des questions. Je ne me suis jamais demandé, je ne me suis jamais intéressée au développement personnel. Je priais Dieu, mais je ne suis pas quelqu'un qui lit tout le temps la Bible, mais voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais si elle me conseille de lire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, à comprendre, en fait. À comprendre pourquoi je souffre, pourquoi je ne trouve pas ma place, pourquoi je suis incomprise, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde m'en veut. Et effectivement, en commençant à m'intéresser au développement personnel, j'ai compris que c'était moi le problème. J'ai compris que les autres vous renvoient à ce que vous envoyez. Si vous ne vous considérez pas, ils ne vont pas vous considérer. S'ils ont l'impression, quand je dis « ils », c'est notre environnement, je parle des personnes avec qui on échange régulièrement, à un moment donné, même eux, ils ne peuvent plus nous aider parce qu'ils ne savent plus comment nous aider. Puisque nous-mêmes, on n'est même pas capable de savoir ce dont on a besoin. Vous imaginez, vous souffrez, mais vous ne savez même pas ce qui pourrait régler le problème. C'est vraiment, parfois on parle, mais on ne sait même pas ce qu'on attend comme solution. Vous voyez ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. Donc, à un moment donné, le fait de lire ces livres de développement personnel, pour la première fois, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je travaille mon mindset, qu'il fallait que j'arrête d'accuser les autres, qu'il fallait que je me dise que j'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Et là, j'ai commencé en fait à me découvrir, à dire, mais en fait, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que finalement, c'est seulement l'argent qu'on veut? Ou est-ce que finalement, je veux passer ma vie à avoir une vie correcte, mais vivre de ma passion? Donc voilà comment est-ce que je commence en fait à avoir le déclic et à m'intéresser à qui je suis, qu'est-ce que je veux devenir. Ça part d'un livre, quoi. Ça part d'un livre. Donc ça confirme le dicton selon lequel un livre peut changer ta vie si tu le lis. C'est vrai. Ok. Et derrière tout ça, tu as abordé la notion d'argent, tu as abordé la notion de développement personnel. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui parlent de développement personnel. Au final, c'est tout et n'importe quoi. Pour toi, c'est quoi le développement personnel? Alors, le développement personnel, c'est très vague. C'est extrêmement vague parce que si on doit littéralement le traduire, développement, c'est se développer, personnel, c'est personnel. Aussi simple que ça. Maintenant, dans développement personnel, on peut avoir aussi une extension de développement professionnel. C'est comme ça que pour moi, dans mes accompagnements, je n'accompagne pas les personnes qui n'ont pas un projet professionnel. Parce que le but du développement personnel, c'est pour un accomplissement professionnel derrière. Quelqu'un qui veut être juste développer sa confiance en soi, bon,
ça peut être intéressant puisque en fait ça fait un peu une partie du développement personnel, mais dans le développement personnel je développe une partie de moi qui est un manque, qui est au niveau de la confiance en soi par exemple, ou la gestion du stress. Donc c'est tellement vague. En fait, c'est un fourre-tout. Mmh. C'est pour ça que quand quelqu'un, vraiment, je ne suis pas en train de juger ou quoi que ce soit, quand quelqu'un me dit je suis coach en développement personnel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être précis. On ne peut pas développer. Il y a tellement une multitude de choses à développer chez l'humain qu'on ne peut pas juste s'arrêter là. Mmh. Si quelqu'un dit qu'il est coach, par exemple, en développement personnel, pour moi, c'est plus pertinent s'il y a une spécialisation derrière. Moi, je suis executive coach. Ça veut dire que déjà, mon positionnement, c'est que j'accompagne les personnes qui ont des postes de dirigeants. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont... Je vais vite comprendre le langage parce qu'ils vont peut-être avoir des problèmes ou des challenges personnels, mais ce sont des challenges qui sont des bloquants pour leur évolution professionnelle. Donc, pour moi, je me dis, au moins là, déjà, j'ai déjà segmenté au niveau des exécutifs. Oui. Maintenant, quand je me forme avec la spécialité en programmation neurolinguistique, ça veut dire que je vais comprendre, ça veut dire que j'ai la capacité de comprendre pourquoi quelqu'un ne passe pas à l'action. Mmh. Je suis formée pour ça. Donc, la programmation neurolinguistique, c'est comment est-ce qu'on est programmé dans notre cerveau? Pourquoi Valère pense que ça, c'est bon et ça, c'est mauvais? Parce qu'on lui a toujours dit que c'était comme ça. Et il n'est pas responsable de ce qui se passe? Mais en fait, c'est qu'on ne se pose même pas la question. Vous voyez, quand vous programmez un ordinateur, il fonctionne. Vous allumez, il fonctionne comme il a été programmé. C'est pareil avec l'humain. Mmh. Quand vous grandissez dans un environnement, si vous grandissez dans un environnement où on vous dit, par exemple, que les femmes ne mettent pas le pantalon, vous allez grandir dans cet environnement-là. Et quand vous allez arriver dans un environnement où les femmes mettent le pantalon, vous allez trouver ça un peu bizarre. Vous aurez un jugement tout de suite actif en disant, les femmes ne mettent pas le pantalon. Bon, c'est vraiment un truc un peu banal comme ça. Parce que je voulais quelque chose de léger pour pas... Voilà. Donc, c'est se demander pourquoi je pense que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est pas de la philosophie? En philosophie, on le fait déjà, ça? On le fait, mais combien de personnes font la philosophie? Combien de personnes font la PNL? La PNL, c'est une extension du développement personnel. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Beaucoup de gens, même nos parents faisaient de la PNL sans réfléchir, sans même savoir que ça s'appelait la PNL. Quand j'échange avec ma mère aujourd'hui, elle me parle des principes de la PNL. D'accord. Mais elle ne sait même pas que c'est ça. Mmh. Mais quand, par exemple, elle nous dit, par exemple, en communication, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que quand tu es à l'extérieur avec ton mari, il dit quelque chose qui ne va pas, tu le laisses parler, tu te tais. En communication, en PNL, on dit, en fait, dans la communication, c'est que si on est partenaire, je dois éviter de te froisser, puisqu'on est dans la même équipe. Ouais. Ma mère n'a pas eu besoin de faire des études en PNL pour le comprendre. Bien sûr. Oui. Mmh. Ou quand ma mère me dit, par exemple, ma fille, il ne faut pas juger, il ne faut pas faire de suppositions, il faut écouter les deux versions. Elle n'a pas eu besoin d'aller en PNL dire, en fait, comme nous on dit, la carte n'est pas le territoire. Mmh. La carte n'est pas le territoire, ça veut dire que tu es face à une situation, mais la manière que l'un perçoit, il voit peut-être la carte, mais ce n'est pas avec ses valeurs, il n'a pas le même œil. Voilà, donc elle n'a pas eu besoin de faire la PNL. Mmh. C'est juste que nous, la PNL nous permet de mettre des mots sur des choses concrètes. On va appeler ça, mes importants, on va appeler ça, voilà, en interne, enfin bref, des schémas, enfin... Moi, j'aime pas utiliser les mots techniques parce que je veux que ce soit simple, que tout le monde comprenne. D'accord. Mais ce sont des choses que ma mère, je la vois tous les jours le faire et je suis impressionnée. Mmh, vous voyez? Donc, c'est ça, mon PNL. Il y a un truc qui me marque, je pense que je suis pas le seul. Oui. C'est que quand tu t'exprimes, tu dégages beaucoup, beaucoup d'assurance et de confiance en toi. D'accord. Je pense qu'on te l'a déjà dit, je pense pas être le premier. Oui, si, c'est voilà. Vrai, on me le dit souvent. Et voilà. Et moi, j'aimerais savoir, parce que je me suis rendu compte que très souvent, le problème de confiance en soi est beaucoup plus récurrent chez les femmes. Chez les hommes. Donc, ma question a deux volets. Oui. Premier volet, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus les femmes qui ont ce problème de confiance en elles-mêmes? Et deuxièmement, comment est-ce que tu fais, toi, pour pouvoir gagner confiance en toi? Alors, je n'ai pas les statistiques qui me permettraient d'étayer ce que je vais avancer comme propos d'ici quelques secondes, mais j'analyserai les choses de manière très simple. Quand vous regardez l'histoire de l'homme et de la femme, on a toujours eu l'impression que la femme était en dessous de l'homme. Déjà, partant de ce constat très simple, la femme, automatiquement, elle n'a pas confiance puisqu'elle grandit en étant programmée pour ne pas pouvoir faire les choses de manière autonome. Elle est programmée pour être sous son homme. C'est pour ça qu'on parle de soumission, parce qu'elle est sous la mission de l'homme. Donc forcément, on suppose en fait qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, qu'elle n'est pas capable de faire. Donc dans l'histoire, automatiquement, ça crée déjà dans l'ancrage des femmes le fait qu'elles ne sont pas capables de faire certaines choses. Pourtant, elles pourraient très bien le faire. Effectivement, avec le temps, on se rend compte qu'elles réalisent beaucoup de choses, même parfois elles sont
plus habile que certains hommes. Mais l'histoire reste, en fait, vous savez, c'est très difficile de déconstruire ce qui a été ancré pendant dans les siècles, tellement de siècles. C'est comme aujourd'hui quand on regarde les Noirs et qu'on dit mais ils sont lents, ils se pensent, ils croient encore qu'ils sont inférieurs. L'esclavage est fini il y a combien de temps ? Ça fait à peine 2 siècles, 3 siècles. Même pas. Même pas. Il y a encore 100 ans, il y avait encore l'esclavage. Je veux dire, il y a encore des choses, même aujourd'hui, il y en a encore, ça ne dit pas son nom. Donc je veux dire, parfois, il faut comprendre qu'une histoire qui a été très forte, qu'il y a eu beaucoup de blessures, ça demande du temps. Donnons le temps au temps. Observons. Il y a encore 50 ans, les femmes ne pouvaient pas voter. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir leur compte bancaire. Vous voyez ? Donc forcément, ce sont peut-être des histoires historiques, mais qui restent une réalité aujourd'hui. Non. Maintenant, si on ramène ça à notre vie aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme, de l'évolution, de tout ça. J'adhère jusqu'à un certain niveau, peut-être parce que je suis restée quelque part traditionnaliste, oui. Où je dis, malgré l'évolution, je reste une femme qui estime que dans une maison, il y a un patron, il n'y a pas deux. C'est-à-dire que c'est l'homme qui porte le pantalon et pas la femme. Ça ne veut pas dire que la femme est l'esclave de l'homme. Ça veut juste dire que chacun a sa place et un équilibre. Donc si je dois dire la raison pour laquelle certaines femmes manquent de confiance, c'est aussi ça en fait. C'est parce qu'on leur a laissé croire qu'elles n'étaient pas capables. Il y a aussi le fait qu'on a inconsciemment créé une compétition entre les femmes. Vous allez voir que les femmes, elles sont en manque de confiance, surtout quand elles voient une femme qui a beaucoup de confiance. Oui. Et je vais glisser sur dans la deuxième question qui est la mienne. Oui. Je suis très souvent combattue par les femmes et ça me fait sourire en fait. Parce que je le dis, mais vous perdez votre temps parce que je vous vois même pas en fait. Je ne vous vois pas comme des concurrentes, je vous vois juste comme des sœurs qui sont insécures, qui ont besoin d'être rassurées et de se dire, mais au lieu d'être dans le « mais elle se prend pour qui ?» elle est avec tout le monde, on la voit avec tel DG, avec tel président, avec machin. C'est plutôt se demander, mais ma sœur, comment tu fais ? Comment tu fais pour être sûre de toi ? Comment tu fais pour être imperturbable ? Comment tu fais pour continuer, quel que soit le truc ? Tu permets, je vais faire une pause là, vas-y. Parce que tu as dit un truc, et c'est ce que j'ai remarqué, oui. C'est que tu étais très souvent plus ou moins bien entourée. Oui. Voilà. Mais ma question tout de suite, c'est de savoir comment est-ce que tu fais, partant de rien ? Oui. C'est comme tu l'as dit, souvent tu es une self-made woman. D'habitude, j'ai dit self-made man, mais toi tu es une femme. Self-made woman. Comment tu as fait pour bâtir ton réseau ? Ouais, la première chose, c'est se dire qu'on est aussi important que les personnes avec qui on veut être. Mm-hmm. Ils ne sont pas au-dessus de nous. De manière concrète, est-ce que tu n'aurais pas une anecdote par laquelle tu as pu entrer en contact avec une personne d'influence ? Alors, et comment tu as fait de manière concrète ? De manière concrète, tous ceux qui me rencontrent ou ceux qui ont entendu parler de moi, je sais que ce qui revient souvent, c'est mon authenticité. C'est-à-dire que si au jour d'aujourd'hui, si je décide que je vais être en contact avec qui que ce soit, même si mon objectif aujourd'hui, c'est par exemple être en contact avec moi, par exemple, je le dis, et peut-être que vraiment le Seigneur m'aidera à le réaliser, je veux être en contact avec Mo Aboudou. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est dommage qu'on ne la connaisse pas, c'est elle qui a Life Magazine, tous les Nollywood, là, c'est elle qui est à la tête de cet empire-là. Elle a des nominations, on connaît plus Oprah. Oui. Je fais le choix de dire Mo Aboudou parce que c'est une Nigériane qui m'inspire énormément. Le jour que je la rencontre, ben je serai une femme heureuse parce qu'elle m'aiderait dans mes projets. Donc si je commence à mettre mon focus là-dessus, je vais la rencontrer. D'accord. Moi, j'aimerais te poser une question parce que dans ton livre, justement, il y a une page où il y a des témoignages de certains achievers, je préfère les présenter comme ça, parmi lesquels j'ai reconnu un visage, Philippe Favignon. Oui. Comment tu fais pour être en contact avec lui ? Fabrice Savignon. Oui. Fabrice, oui, bien sûr, c'est l'équivalent de... Oui, Fabrice Favignon, c'est ça. Oui, parce qu'il y a Philippe aussi dedans, mais c'est Fabrice Favignon. Oui, c'est Fabrice, oui, de Life TV. Life TV, de... oui. Vaudou Groupe. Oui, voilà. Ah, Fabrice, je vous assure, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce milieu, dans cette haute sphère. J'ai un vrai coup de cœur pour Fabrice, et aussi, enfin... Fabrice, c'est vraiment le fait que c'est un entrepreneur qui a galéré, oui, en fait. On connaît tous plus ou moins son histoire. C'est-à-dire quand tu viens vers lui, on dirait qu'il comprend ta douleur sans que tu aies besoin de parler. Fabrice est quelqu'un qui est un bosseur. Et je pense qu'il a vu en moi cette femme qui ne se limite pas à sa beauté physique, qui est une bosseuse. Et quand tu es comme ça, et que lui, c'est son histoire, puisqu'il dit, mais on a le même ADN, ben c'est ce qu'il dit dans le livre. Donc forcément, il a envie de donner encore plus. Fabrice, je ne le connaissais pas. Fabrice, en fait,
je cherchais les speakers pour mon événement Watch Me Talk que je faisais à Abidjan. Et j'ai échangé avec une amie qui s'appelle Charlotte. Et puis elle m'a dit, écoute, je vais te mettre en relation. Donc c'est elle qui me donne, elle me dit, dans 2, dans 3 jours, je vais dire à Fabrice, je vais lui dire que tu veux lui parler. J'ai dit, mais fais-le maintenant. Pourquoi tu attends? Donne 2, 3 jours. Moi, je suis déjà chaude là, je suis prête. Allons-y. Tu me dis d'attendre, c'est un message. Elle me dit, ok. Mais j'insiste, tu vois, c'est pour dire vraiment pour le network, quand on veut quelque chose, il faut insister. Elle envoie un message à Fabrice et moi je fais un topo, je fais un petit brief, dis-lui quand même de quoi il s'agit, il y a un truc vite fait. Et je sais que ces personnes n'aiment pas trop lire, donc il faut tout de suite. Ouais, comprendre direct, ouais. Tout de suite, il ne faut pas trop de. Donc j'avais envoyé le truc. Donc elle parle à Fabrice et Fabrice, elle donne mon nom et tout ça. C'est après que Fabrice me dit qu'elle donne mon nom, lui il va regarder pour voir qui je suis. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il se dit, c'est qui elle? Mais vraiment, bravo, elle, c'est vraiment une Africaine qui fait des choses incroyables. Ah ouais, non, il a compris quoi, il se dit, qui a vraiment faim. Ouais. Non, j'ai trop faim. Mon niveau de famine là, je pense que les gens ne l'ont pas. Donc il regarde et puis il dit, ok, il dit à cette fille, ben, je vais l'appeler. Et puis, elle me donne le numéro de téléphone. Je lui écris directement. Dès qu'elle donne le numéro, je lui écris, écoute, Fabrice, bonjour, je suis Pascal. Il me dit, je te rappelle dans 5 minutes. Il m'appelle. Dès que je commence à expliquer ma vision, il dit, non, je vois déjà. Mmh. T'as même pas besoin d'aller plus loin. Ouais, ouais. Et puis, quand je vais à Abidjan, je crois que le mois d'après, j'allais à Abidjan. Il m'a reçu dans son bureau. On a échangé et la connexion est passée tout de suite, en fait. Dès qu'on est bosseur et qu'on a vraiment faim et qu'on maîtrise son sujet, on est préparé. Mais voilà comment est-ce que Fabrice est devenu vraiment un grand frère et quelqu'un qui me soutient, qui vraiment, à chaque fois que je vais à Live TV, je lui dis toujours, je suis chez moi. Vraiment, c'est la maison. Je suis avec Connie Touré, avec Guy, avec vraiment André, toutes les personnes de Live TV. Mmh. C'est vraiment des voilà. Des ressources, quoi. Oui, et je ne les connaissais pas. Toutes ces personnes que vous voyez dans le livre, je ne les connaissais pas en 2021. Ah oui, ça va vite, hein. Oui. Ça va vite. Oui. Et tout à l'heure, tu as parlé de beaucoup de femmes se contentent d'être belles, un truc comme ça. Non, j'ai dit qu'il ne m'a pas jugé sur ma beauté. Sur ta beauté, voilà. Et moi, par rapport à ça, j'ai une théorie sur laquelle je suis en train de réfléchir en ce moment, c'est le malheur de certaines femmes, c'est qu'elles sont belles et qu'elles savent qu'elles sont belles. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je sais que je suis belle, hein, mm-hmm. mais je ne me limite pas à ça. Mm-hmm. Parce que je sais que c'est éphémère. Je ne sais pas, un gros bouton peut sortir là, je peux perdre un œil. Voilà. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps et j'enverrai la vidéo à la personne qui regarde parce que je ne peux pas citer la personne. Et je disais que j'enseigne à mes filles que la beauté intérieure est très importante. Mm. Et la personne m'envoie un message et dit « Tu mens !» Il dit, depuis que je te regarde, tu envoies tes vidéos, je suis d'accord, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, le physique compte, que tu le veilles ou pas. Les gens, ils regardent tes vidéos parce que tu es une belle femme, parce que tu es apprêtée, parce que voilà. Avant de se dire, ils regardent d'abord. Et après, ils se disent, mais au fait, elle parle de quoi? Non, mais je dis, mais vous, les hommes, ça doit être ça, en fait, c'est vous les problèmes, les hommes. C'est-à-dire que vous regardez d'abord le physique. C'est-à-dire qu'une vidéo. C'est vrai qu'on est très visuel. Ça, on ne va pas le nier. On est très visuel. Ouais. Et bon, c'est pour le moment, c'est moi qui pose la question. Je t'écoute. Alors, donc, cette personne me dit ça. Elle me dit. Il me dit qu'il n'est pas. C'est un homme, il me dit, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Ben, je le comprends. Ça dépend du métier, ça dépend de ce qu'on fait. C'est vrai que si vous avez 2 stands identiques, un même produit, même branding, d'un côté, on a une femme qui est soignée propre, et il y a une qui est négligée, ben, on aura tendance à aller vers celle qui est plus apprêtée. Voilà, on va dire ça. Maintenant, parlons de beauté. La beauté est relative. Et je pense que toute femme doit prendre conscience qu'elle est belle. Bah, toute femme est belle. Niveau, ça dépend de quoi. Mmh. Ça dépend de quoi. Je vais prendre un exemple. Il y a des hommes qui aiment les femmes rondes. Mmh. Plusieurs niveaux. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui pèsent 150 kilos. Ouais. Ils ne sont pas très nombreux. Voilà. La question n'est pas de savoir s'ils sont nombreux ou pas. Ouais. C'est qu'on est d'accord que ça existe. Oui, bien sûr. Et ils ne veulent pas des femmes minces. Mmh. Pour eux, ils les trouvent squelettiques. Mmh. Ils disent, mais je ne veux pas un tas d'os dans mon lit. Tout à fait. Et de l'autre côté, vous allez avoir des hommes qui ne veulent que des femmes qui n'ont aucune graisse. Donc, à la fin de la journée, si on prend tous ces éléments-là, on comprend que toutes les femmes sont belles. Vous savez, parfois, dans mes accompagnements, je tombe sur des femmes qui sont juste magnifiques, mais parce qu'on leur a laissé croire qu'elles n'étaient pas belles, elles ne se trouvent pas belles. Mmh. Donc, finalement, la beauté, c'est quoi? Une femme doit savoir qu'elle est belle. Elle est belle pourquoi? Elle est belle parce qu'elle sait qu'elle doit accepter tout ce qui est censé être des imperfections. C'est pour ça qu'on parle d'amour inconditionnel de soi. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas me trouver belle.
Et je m'en fous, en fait. Je m'en fous parce que ce qui compte, c'est comment moi je me sens. Est-ce que je suis OK avec qui je suis? Vous savez, pendant longtemps, j'étais complexée par rapport à mon front. Mmh. Je me disais, oh, t'as un gros front. Mais aujourd'hui, je l'assume tellement. Parce que tout dépend de comment on se perçoit. Mmh. Et plus vous allez assumer qui vous êtes, ben, plus les autres vont finalement vous aimer. Ils ne verront même pas ce que vous pensiez être un point négatif ou quelque chose qui n'était pas beau à voir. Donc, je ne suis pas d'accord quand vous dites que les femmes qui sont conscientes qu'elles sont belles, sont encore plus... Enfin, bref, ça les avantage pas. Non, une femme doit savoir qu'elle est belle, et même en jouer. Mm-hmm. Au lieu de dire, je suis belle, je me cache, non. Si tu es belle, mets ta beauté en valeur, et surtout, assure-toi que tu as le mindset qui va avec. Moi, j'ai dit, quand j'étais à l'école, je voyais une fille qui est belle et qui est première de classe. Je dis, ah, c'est beau quand même. Oh, c'est trop mignon. Tu vois, parce que nous, on se dit, mais elle est belle, mais tu te dis qu'il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait quand même un truc pour pouvoir dire, voilà, il lui manque ça. Mais une femme qui est belle et intelligente, moi, je trouve ça, je trouve que moi, c'est la femme la plus sexy au monde. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, c'est vrai, c'est mon point de vue. Hein. Okay. Il y a aussi une notion que tu abordes dans l'une de tes vidéos, c'est le don. Oui. Et j'aimerais qu'on en creuse un peu plus. Tu disais notamment que tu as reçu un message d'une femme. Oui. Qui voulait te poser une question. Bref, tu n'as pas répondu. Oui. Et donc, comment est-ce que le don, toi, te permet de connecter avec les gens? Ben, le don dans le sens de ce qu'on donne, oui. Ou dans le sens de ce qu'on on a à l'intérieur de soi? Dans les deux sens. Dans les deux sens. Alors, tout le monde a la capacité de connecter avec les autres. Et là où on arrive à développer la capacité d'analyser les gens, c'est qu'on a pris le temps de se concentrer sur soi, qu'on a eu le temps de vraiment se demander si on est chrétien, de se connecter à Dieu, si on est musulman, Allah, peu importe. Et on va se rendre compte qu'on va développer notre spiritualité. Et notre spiritualité va nous aider à être vraiment connecté à notre environnement. Ça fait que parfois, quand les gens qui sont mal intentionnés ou qui ont une mauvaise énergie ou un esprit un peu bizarre se rapprochent de vous, vous les ressentez. Vous les ressentez parce qu'en fait, j'ai envie de dire que le Saint-Esprit grandit en vous, sans que vous ne vous rendez même compte. Parfois, vous arrivez quelque part, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on croit en Dieu ou pas, est-ce qu'on a développé une certaine spiritualité, vous allez voir que parfois, vous rencontrez des gens, leur présence vous donne la chair de poule. Mmh. Oui, parce qu'en fait, spirituellement, il se passe des choses. Donc maintenant, si on revient au don, le fait de donner aux autres, c'est le fait de pouvoir d'abord développer son don intérieur. Mmh. Qu'est-ce que j'ai que je peux donner à l'autre? Quelle est la chose que je peux donner à l'autre qui m'a été donnée? Dans mon cas, par exemple, je sais que parfois, mes messages apaisent. Oui. Et j'ai des gens qui me disent, madame, vos messages me guérissent. Donc, c'est un don qui m'a été donné par Dieu, qui est celui de transmettre. Transmettre le bonheur sans forcément parler de la Bible. Que c'est pas... Et donner à l'autre, c'est pas forcément dit un genre, machin, c'est pas forcément ça. C'est comment j'arrive à porter un peu de bien-être aux autres. Comment j'arrive à leur donner un peu plus espoir. Comment j'arrive à leur donner le sourire. Et ça, ça part par le don que j'ai reçu et j'ai pour obligation de le transmettre. D'accord. Okay. Donc maintenant, si on revient à l'histoire de la femme qui voulait, par exemple, que je l'accompagne et que j'ai dû refuser, c'est parce qu'en fait, au bout de 30 minutes d'échange, c'était... En fait, j'ai l'impression qu'elle avait pris toute mon énergie. Ah, elle t'avait vidé. Elle m'avait vidé. J'ai dit, ah, si en 30 minutes, je suis déjà comme ça, toujours pour l'argent. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, mais parce qu'on n'arrive pas à te booker. Je dis, mais non, on ne me book pas, c'est moi qui book les personnes avec qui je travaille. Parce que je suis tellement sensible aux énergies des gens, je suis tellement sensible que je me dis, je ne veux pas m'exposer et prendre le risque d'être avec des personnes qui viennent me prendre, me pomper des pompeurs d'énergie. J'ai dit, non, je suis chef d'entreprise, j'ai besoin de mon énergie et je suis maman de 3 filles aussi. Donc, je dois pouvoir être en forme pour mes enfants. Donc, forcément, on choisit finalement à qui on veut donner. Quoi. D'accord. Et tout à l'heure, tu parles beaucoup, tu parles de spiritualité et de religion. Oui. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre la spiritualité et la religion? Si oui, laquelle? Ben, on peut être quelqu'un de spirituel sans être religieux. Oui. Aujourd'hui, ce qui crée beaucoup de tensions et beaucoup de discordes, c'est la religion. Oui. Parce qu'on se dit, les personnes, ils appliquent ce que la religion dit, et parfois, ils ne comprennent même pas ce qui est dit dans les Écritures saintes. Parce qu'ils sont dans le
Je suis catholique, donc je prie. Je suis musulman, donc je prie. Je suis pentecôtiste, donc moi je prie. Ils sont rattachés à la religion. Mmh. Ils ne cherchent même pas à comprendre ce qui est écrit dans les textes de cette religion-là. La spiritualité commence lorsqu'on apprend à connecter avec l'invisible. Quand on parle de connecter avec l'invisible, c'est le Dieu. Dieu, on ne le touche pas. Oui. Dieu n'est pas palpable. Il faut qu'on arrête l'image où on imagine que Dieu, c'est le monsieur grand barbu noir, blanc, bol blanc, assis sur un trône. Mais non, il n'y a pas... Et le diable, ce n'est pas celui avec les cornes. Il faut arrêter le délire, quoi. C'est dans les films, ça. Donc maintenant, dans la réalité de tous les jours, Dieu est dans chacun de nous. Le diable aussi, il est... Voilà. Donc maintenant, c'est la spiritualité, c'est cette capacité à se dire, mais comment je me connecte avec l'au-delà? Comment je connecte quand il dit l'au-delà? Comment je connecte avec cette partie invisible qu'on ne voit pas? C'est-à-dire que comment j'arrive, en fait, même en méditant, quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui travaille sa spiritualité. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui travaille sa spiritualité. Mais quelqu'un qui n'est pas juste en train de réciter, quelqu'un qui prie vraiment en te disant, Seigneur, ouvre-moi les yeux, donne-moi la sagesse. Si tu le dis fort, on peut croire que tu es fou. Mais en fait, tu es en train de connecter avec ton créateur. Mmh. C'est tout ça qui fait la spiritualité. Et les gens qui sont spirituels, ce n'est pas forcément des personnes qui sont catholiques, qui sont bouddhistes, qui sont... Non, tout le monde, même quelqu'un qui ne croit en rien peut être spirituel. Mmh. Parce qu'il se dit, mais il y a quelque chose, je ne crois ni en Dieu, ni à machin, mais je veux pouvoir me découvrir. Et sa spiritualité, ça peut être par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce que... Vraiment, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. Du et parce que très souvent, je sais que tu es d'origine camerounaise, de l'Ouest. Ah, donc, bonjour à tous mes frères de l'Ouest, hein, voilà. Kamokoui en même temps. Kamokoui. C'est vrai que le nom parle par lui-même. Ah oui, je l'assume tellement, je la couche pas tout. Voilà. Je suis très fière. Et donc, je sais que très souvent, il y a cette opposition entre religion et spiritualité, et je sais, pour avoir fréquenté beaucoup de Camerounais de l'Ouest, que vous êtes très ancré niveau à tout ce qui est rite, machin, truc. Et donc, toi, est-ce que s'il fallait faire un choix entre la religion et la spiritualité, est-ce que quel choix ferais-tu? La spiritualité. La spiritualité. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui te pousse donc, malgré la spiritualité très développée chez à l'Ouest Cameroun, qu'est-ce qui te pousse donc à rejoindre le camp de la religion? Parce que les religions et les spiritualités sont parfois incompatibles. Mais pourtant, on a très souvent tendance à penser que c'est incompatible. Non, moi, je pense que peut-être votre jugement est biaisé. Par le fait que quand on parle de l'Ouest, on parle tout de suite au crâne, on pense à tous ces rites-là. Je ne le fais pas, on ne le fait pas chez moi. Ma mère, mon père, il a toute sa tête. On n'a pas déterré, on n'a pas fait tous ces rites-là. Ce que je ne condamne pas, parce que je ne suis qui pour juger ce que nos ancêtres ont fait au fond avant que le christianisme n'arrive. Ben, ils croyaient bien en quelque chose, hein, ils s'en portaient pas mal. Donc, je suis à un stade de ma vie où je crois en ce que je crois, mais je ne juge pas les autres. Et je reste très ouverte. Je ne me dis pas que la seule religion qui a la vérité, c'est ma religion. Je ne dis pas ça. Parce que j'estime que autant on a la foi en Jésus, on est à fond, autant les musulmans, quand ils parlent d'Allah, et quand vous les écoutez, parce que souvent ceux qui jugent même les musulmans et tout ça, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. J'ai grandi au quartier Aoussa, au Cameroun, au milieu des musulmans. Tous mes amis d'enfance, ce sont les musulmans. Donc, et chacun se respecte, chacun respecte la religion de l'autre. Donc, si on parle de spiritualité, dans le sens de faire nos rites vraiment un peu ancestraux, j'estime que moi, je ne les fais pas, donc je ne me sens pas concernée. Mais aujourd'hui, la religion en elle-même, c'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit, c'est la relation que je crée avec Dieu. D'accord. Tout simplement. Ok, la relation que tu crées avec Dieu. Bon, oui. Je pense que c'est assez clair. Et maintenant, on va aborder trois aspects un par un. Oui. On va rentrer un peu plus dans ta vie intime. Ah, je vois ça. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser à ton côté entrepreneur, femme entrepreneur. Oui. Et enfin, on va s'intéresser à ton livre. D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu vas venir ma question, mais lorsqu'on est une femme qui dit, qui assume qu'elle est une belle femme, qui dégage autant de confiance en elle, qui décide d'être un personnage public sur les réseaux, très souvent, on vit les avances de la part des hommes. Oui. Donc, comment est-ce que toi, tu vis ça? Comment ça se passe avec les hommes? Si j'ai un conseil. Non, attends. Ce n'est pas un conseil. J'ai posé la question de savoir comment ça se passe avec les hommes. C'est ça. Ah, ok, d'accord. C'est ça.
Je veux commencer avec le conseil. Ok, d'accord. Le premier conseil que je vais donner à toute femme qui regarde cette vidéo, c'est que si vous voulez vous faire respecter dans votre milieu professionnel, sortez avec personne. Ça peut arriver plus tard. Quand je dis sortir avec personne, c'est que quand on arrive dans un certain milieu, c'est vrai qu'on est courtisé. Ça flatte notre ego. On se dit waouh, on plaît. On est désiré. Mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que quand vous allez commencer à sortir avec une personne, il y aura un autre qui sera beau, qui répondra à votre critère. Il y en aura trois, il y en aura quatre, il y aura. Et c'est un milieu où tout le monde se connaît. Mm-hmm. Tout le monde se connaît. Même si vous allez rencontrer quelqu'un au Sénégal, il connaît l'autre qui est en Inde. Surtout quand ils ont des fonctions assez élevées. Donc le premier conseil, c'est de dire, je veux faire ma place, je veux me faire ma place parce que je mérite, parce que je suis intelligente et parce que j'ai quelque chose à apporter sur la table. Et lorsque ces personnes vous draguent, ça se passe parfois très 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 mal, hein, et parfois j'arrive à faire de ces personnes des grands frères et des amis proches. Attends, Pascaline, attends. Oui. Donc tu es en train de me faire comprendre que un homme qui vient, il te fait la cour. Oui. Tu finis par faire en sorte que ce soit un ami proche. Oui. Oui. Parce que je veux pas le perdre, j'ai besoin de lui pour le business. Oui, mais en fait, moi, je vais le dire comme ça, si tu permets. Oui, dis-moi. Mais est-ce que ce serait pas quelque part un peu de la manipulation en ce sens où tu sais ce qu'il attend de toi? Oui. Et on sait aussi que lui aussi, en se disant, OK, elle pouvait me demander un service. Donc quelque part, ce sera un moyen de me rapprocher d'elle parce que j'espère que. Je sais que les femmes le savent. Qui ne manipule pas? Tout le monde manipule. Merci là-bas. Voilà, tout le monde manipule. On a fini là. Parce que si tout le monde manipule, si on part du principe où même les bébés manipulent. Mmh. Un enfant, quand il pleure, il veut juste que tu le portes, il grille, t'as l'impression qu'il a faim, et dès que tu le portes, il se tait. Ça veut dire quelque part, il faut juste assumer ce qu'on fait. Mmh. Ça veut dire que si je sais que je ne vais pas sortir avec cette personne, et je sais qu'on peut avoir une relation gagnant-gagnant, mon but, c'est de montrer à la personne l'intérêt qu'elle a de m'avoir comme amie. Je n'attends pas forcément quelque chose de ces personnes. Mm-hmm. Ce que j'attends, c'est de pouvoir appartenir être dans leur environnement, parce que parfois, c'est des personnes qui te challenge, des personnes avec qui tu as des conversations que tu n'aurais avec personne de ton entourage. Et ça va te chercher au niveau de ton potentiel, et tu révèles ton potentiel continuellement, parce que tu te rends compte que pendant que tu es en train là, j'étais au Cameroun il n'y a pas longtemps, pendant que tu es en train de discuter des problèmes de je ne sais pas moi, 100 000 euros, mais les gars, ils sont dans les 100 millions. Si on parle en franc CFA, tu es dans les millions, on te parle de 400 milliards, comme si on parlait de 400 000, tu vois. Et ça te challenge, en fait. Tu vois, tu t'es dit, mais lui, on n'a pas les mêmes réalités. Et tu sais qu'il ne te vend pas le rêve, puisque ce n'est même pas toi qui parles. Je te retrouve dans un milieu où on parle des sommes inimaginables. Et là, tu te dis, mais je suis là, quand je gagne un petit 10 000 euros, je suis content. Alors que... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment arriver à se dire, mais une personne qui gagne autant d'argent ou qui a une activité aussi prospère, qu'est-ce que je peux lui apporter? Parce que ces personnes, en dépit du fait qu'ils voient une belle femme, ils ont envie d'elle, à un moment donné, ils arrivent, c'est quand même des personnes qui savent travailler leurs émotions pour certains. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous apportiez sur la table quelque chose qu'ils n'ont pas. Ça peut être vos conseils, ça peut être votre joie de vivre, ça peut être des petits messages qui ne sont pas ambigus. Parce que j'ai un ami qui me dit, si tu envoies tes messages 2, 3, 4 fois, le gars va croire que... Mais il y a une faille, quoi. Ça veut dire, c'est un appel de balle. Non, ça dépend de comment. Mmh. Non, mais parce que j'arrive à le faire parce que déjà, je ne viens jamais en tenue sexy ou en machin pour allumer. Non. C'est-à-dire, c'est que je m'habille en général toujours de manière correcte. Enfin, ça dépend de ce qu'on n'entend pas correct, mais je veux dire, je suis couverte pour la plupart du temps. Et donc, quand à un moment donné, vous arrivez à enlever le fait que vous n'êtes pas là pour vous amuser et que vous faites vos preuves et que vous travaillez, eux-mêmes, ils vous respectent. En fait, il faut gagner le respect en tant que femme. Permets-moi. Oui. Est-ce à dire que, parce que c'est une question qui revient très souvent. Vas-y. OK. Je suis un homme, je te fais la cour. Oui. OK. Et tu sens qu'il y a quelque chose que tu peux tirer de moi, mais sans pour autant qu'on ait une certaine intimité. Et tu me fais clairement que non, c'est pas possible, mais tu veux quand même qu'on soit des collègues. Et maintenant, je te fais un cadeau. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ou pas? Ça dépend du type de cadeau et dans quel contexte. Je t'offre un stylo. Bon, le stylo, c'est pour travailler. Je dis merci, ça m'aide à faire mes dédicaces. Mais je prends. Et tu penses que le stylo, il est vraiment anodin, quoi? Mais parce que moi aussi, je peux lui offrir quelque chose. Et donc, tout naïvement, pour toi, le cadeau que tu vas lui faire, il va se dire, OK,
c'est juste dans un contexte professionnel. Tu ne penses pas que ça pourrait faire naître dans la tête à mode? Ah ouais, peut-être que... Bon, c'est vrai que si c'est au début, si ouais. c'est vraiment quand vous n'avez pas clarifié la nature de vos relations, il vaut mieux ne pas, pas prendre de cadeaux. Mais si les choses sont déjà claires et que lui, dans sa tête, il continue à croire que c'est possible, je ne peux pas l'empêcher. Je ne vais pas dire... Dans ce cas, soit je tranche complètement la relation, je me dis... Je n'ai pas grand-chose à apporter ou à tirer de cette relation, dont auquel cas je me retire. Mais si je décide de rester, d'entretenir des liens avec cette personne, ben, il n'y a pas que la relation homme-femme sexuelle. Hein. Mm. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, et du moins peut-être c'est le milieu dans lequel j'évolue, je me rends compte que les hommes, ces hommes-là, bien sûr, ils aiment bien s'amuser un petit peu. Mais après, ce qui leur permet de rester ou d'échanger avec quelqu'un longtemps, c'est ce qu'on leur apporte. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on leur apporte. C'est pas le matériel, le cadeau, là, c'est rien. Je peux m'acheter un stylo Mont Blanc ou ce qu'on veut. C'est pas ça la question, c'est pourquoi ils m'offrent le stylo. Si je suis en train de faire mes dédicaces, ils disent « Ah, je suis passée à tel truc, j'ai pensé à toi. Vraiment, félicitations pour ce que tu fais, je t'offre un stylo, comme ça tu feras les dédicaces en sachant que je t'envoie de la force. » Je vais pas dire non, parce que le contexte, c'est « je t'envoie la force ». Un ami, vous pouvez pas faire un cadeau à un ami ou une amie, on se fait des... Mais c'est pour ça, mais maintenant, si c'est encore ambigu, non, je vais pas prendre de cadeau. D'accord. Et je vais revenir sur une expérience que j'ai eue en tant que femme qui a été courtisée, qui continue à l'être dans ce milieu-là. C'est j'avais eu un contrat qui devait se faire avec quelqu'un, un directeur, et pour moi... J'avais la naïveté de croire qu'il avait compris que... C'était clair que non, c'est pas clair possible. Que... Ouais, okay. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et malheureusement, en fait, il n'avait pas compris. Et quand je suis claire, je suis dans son bureau, je dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est du contrat? Parce que justement, avec mon équipe, on va venir faire le travail qui doit être fait. Il me fait comprendre clairement, mais t'as rêvé ou quoi? Tu ne veux pas de moi, mais tu veux que je te donne des contrats. Contrat, oui. Je suis une fille tellement fière. Je me suis levée et j'ai dit, je ne vais pas prendre le risque de mes nuits blanches, de mes heures de travail, de mes nuits sans voir mes enfants, mes déplacements pendant des jours partout sans voir mes enfants, pour que tout soit réduit au fait qu'on se dise que je couche pour avancer. J'ai dit, c'est pas grave, je trouverai mieux devant. Je me suis levée, j'ai pris pour ça, je suis partie. Il s'est dit, mais partez, il croyait que je plaisantais. Après, quand il m'a écrit, je ne répondais plus. Aujourd'hui, je vois qu'il vient regarder mes statuts, je vois que machin, mais... J'ai gagné du respect. Bon, ce qui fait que même quand on se croise, il me salue avec respect. Pourtant, il suffisait juste de me dire, bon, voilà, vite fait, personne ne le saura. Et puis, ce n'est pas le savant, ça ne finit pas. Comme on dit, il n'y a pas le compteur. On m'a dit qu'il n'y a pas le compteur, ça ne compte pas. Okay. Et ça m'intéresse d'autant plus que c'est un phénomène qui est très souvent récurrent. Oui, oui. Pour être en contact avec beaucoup de femmes, donc ce sont des problèmes qu'on me soumet souvent. Mm-hmm. Toi, en tant que femme, imaginons une femme qui galère. Oui. Elle a du mal à avancer. Ouais. Et elle a eu une opportunité, enfin, de pouvoir sortir la tête de l'eau. Ça peut même être une opportunité de boulot. Et là, sauf qu'on lui dit, ben, si tu veux pouvoir bénéficier de cette opportunité, il faut passer à la casserole. Et là, c'est dur pour elle. Elle a du mal à se positionner. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? C'est un peu délicat. C'est délicat pourquoi? Parce que, peut-être parce que par des formations professionnelles, j'ai appris à ne pas juger les gens. Et depuis petite d'ailleurs, j'ai toujours été comme ça. Parce que j'avais une de mes voisines qui était prostituée. Et mes sœurs la jugeaient. Mais moi, j'étais intriguée. J'aimais beaucoup passer du temps avec elle. Pourtant, c'était ma grande sœur de moins 15 ans, au moins 10 ou 15 ans. Parce que j'étais toujours en train de dire, faut comprendre les gens. Faut se mettre à leur place. C'est facile de se mettre de ce côté et de dire « Oh, ce que tu fais là n'est pas bien » parce qu'on n'est pas à sa place. Donc peut-être ma réponse va peut-être frustrer certaines personnes, mais je ne peux pas juger une femme qui décide de prendre la facilité parce que ce n'est peut-être pas forcément facile pour elle. C'est comprendre, est-ce qu'elle a d'autres choix? Quelqu'un qui se retrouve qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de comment se loger, qui... Aujourd'hui, je peux parler parce que je n'ai pas faim. Mais quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, je ne peux pas lui dire ce qu'elle doit faire. Je ne peux pas, je ne suis pas capable de dire. Le bon sens voudrait que je dise, mais non, ne fais pas ci, ne sors pas avec quelqu'un pour l'argent. Le bon sens voudrait que je dise ça. Mais je ne m'autorise pas à le faire parce que je n'ai pas tous les éléments qui me permettent de conseiller une telle personne. Ok, donc là, je n'ai aucun message à adresser à une femme comme celle-là. Qui se dit, ok, là, j'ai l'opportunité d'avoir Pascaline en face de moi qui a un message à m'adresser. Oui. Ça serait quoi? En fait... Le message que je voudrais adresser aux personnes qui m'écoutent, ce serait « croyez en vous ». Croyez en vous. Même quand vous avez l'impression que c'est plus possible, je vous assure qu'il y a toujours une surprise. Moi, là, quand je parle, je suis émue parce que je suis très souvent challengée. Et je me dis, ce sont ces challenges
qui donnent un goût à ma vie, qui font que je garde le sourire. Parfois, vous avez l'impression que vous avez déjà atteint quelque chose. C'est juste là, il faut juste le prendre. Et au moment où vous prenez, ça glisse entre les mains. Et vous avez envie de pleurer. Vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait croire que c'était pour moi? La force, c'est de se dire que c'était un mirage. Et c'était en fait le test pour savoir à quel point je désire cette chose. Il faut continuer. Parce que quand vous avez passé le test de vous dire, ah, je croyais que c'était pour moi, mais visiblement, ce n'est pas pour moi, c'est qui m'attend est devant. Vous allez vous continuer. Et vous allez être tellement surpris de ce qui vous attend devant. C'est l'histoire de ma vie. Ça me permet, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit, Dieu cache les opportunités derrière les difficultés pour permettre aux imposteurs de ne pas les atteindre. Ah, je ne connaissais pas. Ouais. C'est une citation que je garde beaucoup en tête lorsque c'est difficile. Hein. Ouais. Je vais l'analyser. Je la connaissais même pas. Ouais. C'est une citation que j'aime beaucoup et dans le dur et tout. Oui. Bref, on en parlera plus en détail quand on va évoquer ton volet entrepreneurial. D'accord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer dans ce côté-là. Oui. Aujourd'hui, tu es maman de 3 enfants. Oui. Et la question que je m'avais posée, c'est de savoir, est-ce que Pascaline est un cœur à prendre? Est-ce que Pascaline est un cœur à prendre? Non. Non. Bon, dommage. Ok. Je suis ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et donc, comment est-ce que tu gères toutes tes activités avec 3 enfants, oui. sachant que tu voyages beaucoup? Oui, je voyage beaucoup, oui. Tu es très souvent dans des conférences, même quand tu n'es pas dans des conférences, tu es dans une école paumée, je ne sais pas trop où, tu fais courir les enfants, je ne sais pas quoi. Bref, comment tu fais pour gérer tout ça? La planification. Quand on est organisé, ça se passe bien. Concrètement, ça donne quoi? Et j'ai la chance d'avoir ma mère avec moi. Mais qui était à la conférence. Voilà, c'est ma mère, c'est une future. Tiens, bien, ma mère, elle va écrire un livre, elle va faire des conférences. Je l'annonce ici à partir d'aujourd'hui. Elle va le faire, c'est une femme très inspirante. Et elle est là, c'est elle qui m'aide avec mes filles. Et mes filles sont grandes. Hein. Ma fille est née de 18 ans, elle vit à Dubaï. Oui. Elle a 17 ans, elle aura 18 ans, elle est en terminale, elle aura 18 ans, elle a une école internationale à Dubaï. Elle aura 18 ans le 3 mai, donc elle vit plus avec moi, elle est à Dubaï. Donc, et après, j'ai 2 qui vivent actuellement avec moi, la grande qui a 15 ans et la petite dernière qui a 10 ans. Non, mes filles sont grandes. Elles n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'elles, elles ont juste besoin d'avoir une adulte à la maison dont ma mère est là. Et ma mère s'en occupe, enfin, elle est là quoi, elle s'en occupe pas, ce sont elles qui font à manger. Et toi, oui. dans ton cas, en tant que maman, penses que tu estimes avoir quand même réussi l'éducation de tes enfants? Je pense. Voilà. Ouais. Et quelle serait, selon toi, la clé qui t'aura permis justement de réussir cette éducation-là, malgré le fait que tu es très souvent entre 2 avions? C'est vrai que si vous demandez, d'ailleurs il y a une de mes filles qui a témoigné dans le livre, hein, si vous demandez à mes filles, en fait, qu'est-ce qu'elles pensent de moi, elles vont dire, maman, maman, t'es unique quand même. Hein, parce que je suis une maman extrêmement rigoureuse, mais extrêmement joueuse, extrêmement... Je fais beaucoup de blagues. Quand je parle avec mes enfants, vous êtes sûr que si je ne vous dis pas que c'est ma fille au téléphone, vous allez être sûr que c'est ma meilleure amie. Et en même temps, je n'ai pas besoin d'hausser le ton pour qu'elles exécutent. Si je dis fais telle chose, j'ai même pas besoin de crier en fait, parce que on échange énormément, on parle de ce qu'elles font, on parle de tout. Je n'ai pas de sujet tabou avec mes filles, on parle même de sexualité, de tout, parce que les choses que j'ai pas pu avoir de ma mère, parce qu'à son époque on ne parlait pas de certains sujets, je ne veux surtout pas que mes filles vivent la même chose et qu'elles apprennent par elles-mêmes, par les camarades de classe, les réseaux sociaux. Donc je pense que vraiment c'est l'amour entre nous, on se dit les choses, on se dit je t'aime, on se dit ça, mais alors là, l'amour chez nous c'est je t'aime maman, je t'aime ma chérie, on se dit des mots tendres qui travaillent leur confiance en elles. Et ça solidifie les liens et savoir qu'elles peuvent me dire des choses qui parfois me choquent. Ta fille vient te dire, oh maman, je suis amoureuse, t'es comme ça, quoi. Quoi, pardon? Tu as quel âge? Mais tu peux rien dire. Parce que sinon, elle va plus se confier. Tu vois. Donc, tu as les émotions, ascenseur émotionnel qui montent comme ça. Passé tu... Et en plus, tu te dis, mais comment elle a le courage de venir me dire? Comment dire, comme tu as quelle tête? Donc, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'est... On a réussi à créer ce lien où elles savent que je suis leur amie et je suis leur mère. Et c'est très, très important. On est vraiment proches, on se parle. Tous les jours. D'accord. Tous les jours. Okay. Si je traîne beaucoup avant une maman, alors t'es où? T'es où? Quand j'arrive, elle me dit fais la photo de... Si je prends, quand je prends un taxi, elles font la photo. Quand t'arrives, enfin, on est très très fusionnels. Ok. D'accord. Bon, je pense qu'on va un peu sortir du volet personnel. Oui. Et on va rentrer un peu dans ton volet entrepreneurial. C'est quoi ton business concrètement? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vends, s'il faut dire comme ça?
Alors, ce que je vends, c'est une expertise qui est celle d'accompagner les dirigeants à être beaucoup plus performants. Donc, ça va passer par la gestion du stress, ça va passer par la prise de poste. Comment est-ce prise que je... de poste. Quelqu'un, admettons, si on est collègue et que demain, tu es promu manager et que tu vas être mon manager. Comment je fais pour gérer le nouveau poste que je vais prendre? Comment je fais pour devenir un manager, à bien le gérer, en sachant que j'aurai des conflits avec mes anciens collègues qui auront du mal à me respecter puisqu'on était collègues avant? Comment j'arrive à m'imposer sans être forcément dans la dictature, que ça développe mon leadership naturel? Une chose que je travaille aussi beaucoup plus, où j'ai beaucoup plus de demandes, c'est comment développer son charisme. Comment on arrive à être quelqu'un d'impactant où juste par sa présence, on sait que ben voilà, tu es là. Quoi. Impose le respect. Exactement, sans crier, sans faire trop de bruit. Et aussi la prise de parole en public. C'est vraiment, j'accompagne énormément en ce moment sur la prise de parole en public. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une formation sur la prise de parole en public. Qui aura lieu quand bientôt. Est-ce qu'on pourra avoir des infos en juin. D'accord. Voilà, Loma, elle ne nous en dit pas plus. Mais en autre cas, c'est en juin. Super. Et donc, tu as parlé de quelque chose, charisme. Comment on fait de manière, en deux minutes comme ça, comment est-ce qu'on fait pour devenir quelqu'un de plus charismatique? Quand vous me regardez, qu'est-ce que je dégage? Du charisme. Et pour vous, c'est quoi le charisme? C'est l'aura qu'on dégage. D'accord. Donc, l'aura que je dégage, c'est le charisme. Pour un profane, je dirais ça. D'accord. Est-ce que j'ai l'air dédaigneuse? Genre, je suis supérieure? Condescendante? Non, pas du tout. Alors, le charisme, ça va être tout simplement ce qu'on pense de nous et ce qu'on renvoie. Si je suis assise là et que je suis dans la chaise comme ça, que oui, bien sûr, comme je parlais, c'est que... Quelle est l'énergie que je renvoie? Quelqu'un n'est pas sûr d'elle. La posture est très importante. Moi, je vais me tenir au même niveau que toi. Dans la conversation, je te regarde droit dans les yeux. Je ne te regarde pas droit dans les yeux parce que je veux te défier. Non, je te regarde dans les yeux parce que je veux que tu m'écoutes. Je veux avoir ton attention. Et ça va passer par, regarde la manière dont je parle. Parce que c'est comme si je disais, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment dans la manière dont je vais utiliser mes mains, ma voix, l'intonation. Quand je parle des sujets qui sont sensibles, je vais adapter ma voix. Si je parle de quelque chose de douloureux et que je crie, non, mais voilà, j'ai eu ceci. Non, je vais dire la même chose. Mais voilà, j'ai eu ceci, ça a fait ça. Les gens vont être plus touchés qu'une voix qui va les irriter. Donc, c'est un ensemble de choses qui font qu'on arrive à travailler son charisme. Et le charisme, ce n'est pas forcément physique. Oui. Regarde Gandhi. Oui. Gandhi, il était maigre, on peut le pousser comme ça. Oui. Regarde son leadership, son niveau de leadership. C'est comment on travaille sa posture, sa manière de s'habiller, sa manière de se tenir, sa manière de regarder les gens, sa manière de vraiment... C'est tout un ensemble qui fait qu'on travaille son charisme. Et ça ne veut pas dire parler aux gens comme ça. Par exemple, je dis, oui, là, c'est pas la même chose. Pourtant, je me tiens droite. Oui. Mais c'est vraiment être là au niveau des personnes. Se dire, voilà, je suis en plein échange avec lui, donc je dois être connectée au même niveau que lui, au lieu de me faire petite ou de me faire comme ça. Non, c'est essayer d'être au même niveau que les gens. Si on est plus grand de taille ou que la personne, essayez un peu de... Je ne dis pas d'être comme ça, mais trouvez le moyen d'être un peu tassé pour que la personne se sente moins écrasée ou moins... voilà. Donc, c'est tout un ensemble de choses, le travail, le charisme. D'accord, ok. Et ça prend combien de temps pour une personne qui veut être plus charismatique? Ça prend combien de temps pour développer son charisme? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains, et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.